Lorena Stadelmann a passé sa soirée au bar Le Salopard la semaine passée à Bienne. C'est là qu'elle pense s'être fait droguer. Tout se passait assez bien, je me suis sentie vite dans un état d'ébriété, mais je ne me suis pas doutée à ce moment-là qu'il se passait quelque chose d'anormal. Et j'ai pu rentrer chez moi et c'est le lendemain en fait où j'ai vomi à peu près 25 fois et j'ai tout de suite su en fait que j'avais quelque chose, soit dans mon verre ou d'une autre manière, j'en ai aucune idée, mais j'ai l'impression que c'est dans le verre que ça se passe. Ce n'est pas la première fois que cela arrive dans l'établissement du Salopard. Danny Digler, gérant, a donc décidé de mettre en place des mesures de prévention. Ces incidents arrivant généralement tard dans la soirée, le bar va par exemple fermer plus tôt. Une personne est également à la disposition du public en cas de problème. C'est hyper important pour nous, on fait de la culture, c'est de la musique. Bien sûr, c'est dans une atmosphère festive. Mais c'est des lieux où on veut que les gens se sentent safe. En tant qu'organisateur, on peut mettre un maximum de choses en place, mais on n'a pas le tout pouvoir, on ne peut pas décider de la pluie et du beau temps non plus, et on ne peut pas tout faire. Mais par contre, ensemble, on peut créer le safe space. Il invite donc également le public à être co-vigilant, à veiller les uns sur les autres.